Et nous sommes de retour. On a plein de choses à faire. On y va. On a plein de choses à faire. On va possiblement finir cette zone-là. Tiens, on va se téléporter là. J'avais dit, je crois que la dernière fois, j'avais parlé de se téléporter ici. Mais on va se téléporter là. Comme ça, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Nickel. Donc, dans cet épisode, on va essayer de... de complètement finir cette zone, genre point de vue histoire et secondaire. Comme ça, on pourra passer à l'autre. Tout simplement. Tout simplement. Alors, nous, on va aller là. Ah, faut remonter, merde. On remonte, c'est parti. Pardon, pardon, je passe. C'est là ou... non. C'est là. Voilà. Oh vache. On est bien tombé. Ah ah, c'est le cas de le dire. Ah, tu fais quoi toi? Tu meurs. Oh, hilarant. 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 C'est une harpe. Sûrement la dernière harpe en plus, je crois. Okay. Enfin non, on peut faire ça. Ah putain. Ah ok. Alors non, on peut faire ça. Va plus vite. Voilà. Putain, c'est mal tombé. Tada. Oh. Alors, 1, 4, 1, 3. 1, 4, 1, 3. 1, 4. 1, 3. 1, 4, 1, 3. Oh là là, va falloir... Attends, on va d'abord prendre l'ambroisie. Ah, mais il y avait des trucs là aussi. Ok. D'accord. Elle est où l'ambroisie? Waouh! Nickel! Ta ta ta! 1, 4, 1, 3. Je parlerai après, je me concentre, faut pas que j'oublie. 1, 4, 1, 3. Ah!
Parfait, on a fait toutes les... Toutes les machins. Ah. Ah, on a ça aussi. Ah, on est à côté. Oui, on avait dit qu'on allait essayer de tout finir ici. Donc, ouais, allez, on y va. Ah, il paraîtrait que, pour ceux qui connaissent Project Zero, ou Fatal Frame en anglais, c'est le jeu d'horreur là avec la caméra. Il y a eu le 5 qui a eu un remake, un remaster plutôt. Il est sorti partout, c'est bien parce qu'il était, il était sur Wii U à la base. Le 4, il est sorti que au Japon. Ah, encore la mentalité japonaise de l'époque, hein, connerie encore à chaque fois. Je sors pas les jeux à l'extérieur du Japon. Voilà. Enfin bref. Paraîtrait que ça parle du 4 qui pourrait avoir une sortie. Merde! Mauvaise touche. Oh putain. Ah, on m'a pas vu. Ok, cool. Il pourrait sortir pour nous, ce serait bien. Enfin, dans le monde entier. Ça serait cool. Ce serait vraiment cool. Le 4 a l'air intéressant. Merde. Trop bien. Donc ça me ferait vachement plaisir perso, j'aime bien les Project Zero. C'était l'année dernière je crois. 2021. Je crois que c'était l'année dernière, ouais. J'ai fait le 1, 2, 3 pendant octobre, c'était vraiment cool. J'ai passé un très très bon moment de refaire ces jeux-là. Merde! Ça détruit la truc. Bon, là. Attends, on va mettre ça là, parce que sinon on va être bloqué. Ça détruit la statue quand on la. Quand on la tape contre un mur. Eh, c'est parti pour le casse-tête. Le robot, il est sur la gauche. Okay. Non, mais là, je vais être bloqué à l'envers, là. Non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est pas bon. D'abord ça. La tête en haut et c'est bon. Non, le robot il est sur la gauche, j'ai dit.
Pas sur la droite. Faut faire exactement ce que j'ai fait, mais à l'envers. C'est bien. Il est sur la gauche. On va peut-être bouger la tête du robot en haut. Ça rend fou ces puzzles. Je devrais dû faire l'inverse avec la... avec les jambes là. Tout là je vais... Oh là là. Oh là là. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vite, hein. Hop. Hop. On n'a pas besoin de couper. C'est pas très long. Un peu radin avec les pièces en ce moment, hein. C'est toujours du plus 2. Cet endroit pour en faire l'île d'or. J'ai fait de cette île, créée pour rivaliser avec l'Olympe, un paradis pour les dieux. J'ai accompli tout ceci dans l'espoir qu'il m'accorde, l'unique souhait que je sais désormais comment réaliser. J'étais persuadé qu'en échange de ce cadeau sans précédent, il me rendrait mon fils. Ça pour son fils, c'est triste. Ah tiens, on a les constellations ici. J'avais pas fait gaffe. On a qu'à faire les constellations. Putain, on n'arrête pas de... Vous vous rappelez, à un moment j'ai dit qu'on devait faire un truc, mais on le fait pas. Ah, attends, il y a quoi en bas? Qu'est-ce qu'il y a en bas? On est d'accord qu'il n'y a rien en fait. À part des plantes. C'est un peu relou de les aider de temps en temps. Ma mère était peut-être une naïade et mon père un prostitué. Oui, 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 on la connaît celle-là. Mais quand tu es avec nous, tu fais partie de la famille. Bon, bonne chance avec eux. Ce
Typhon, t'es un peu en retard. Désolé de te casser ton kiff, mais... T'es un tout petit peu en retard, Typhon. Ah, il y a des plantes là-bas. Des plantes de potions d'attaque. On a combien de trucs? Potions. Bon, les potions de vie, je pense qu'on est bon, hein, 400 et quelques. Il n'y a que les champignons qu'il faut prendre si on les voit, parce que c'est les potions qu'on utilise un peu le plus, quoi. Bon, après la défense, comme d'hab. La défense, on utilisera ça que sur des boss et tout. Comme d'hab, hein, comme en fait. On économise toujours les potions. Alors. Ah bah c'est là. Avec ces putains de merde là. Oh, regarde! Les chiens-chiens d'or et d'argent du roi Edminos. Machin quoi. Saloperie. Je demande pardon. Tu as très bien entendu. On va pas se soigner parce que pour le moment on a plus de combat, mais relou quoi, ces machins. Ils sont très... Ah mais c'est pas des plantes, c'est du feu. Ils sont très immunisés en fait. Au stun et tout, enfin quand l'étourdissement reste pas longtemps et quand il s'en va, ils font directement une attaque. Ah, c'est pas des trucs bien sympathiques, hein. C'est bien des trucs relous. Ça. Une boule. Ah merde, je l'ai bien mise. Lol. Merde. Oh, j'ai vu qu'il y en avait une là-bas. Ah, il m'en faut une. Ah, putain. Il m'aurait étonné aussi. Comment... Feu et feu. Merde. Si ça passe. Et 2, 3.
Ow! T'as pas la tête de me toucher comme ça? Alors... Alors attends, il y a... Je crois que c'est ça les Z. Donc ça serait... Celui-là. Celui-là. Et après il y a la deuxième partie, c'est ces deux-là. Ok, ça va. Par contre, je crois que je suis à court de pierre. Voilà, nickel. Est-ce que 4 c'est suffisant? Non. Il nous en manque une. Attends, on a fait là. Peut-être dans ce bâtiment-là. Ah, là-bas. Ça va être simple pour nous. Tu veux que je fasse quoi? Je fasse tomber des cubes. Merde. Désolé. Genre là. Je crois qu'il en faut plusieurs. Ok. Qu'est-ce que je fasse de du vent, moi? En fait, le problème, c'est que je vois rien. Ah, attends, c'est pas... Ah non, mais non, mais on connaît ça. Voilà. Moi, j'ai envie de passer à l'intérieur. Je crois que je vais me suicider en faisant ça, mais... Attends, il y a... Ça, c'est pour le vent. Là, on a un laser. Ok, je peux peut-être passer en même temps qu'une caisse. Presque. Ah.
Ouais, par contre, je vais avoir un problème, moi, pour ressortir. Ah non. Ça va. Ah non, reviens. Je suis pas trop pigé. Comment j'étais supposé faire ça? Genre, j'aurais... Quoi, il fallait tirer la boule, et la boule, après, elle prend le vent et elle monte. Je pense. Je pense que c'est ça. Oh, ça, c'est pas mal. Je ne suis pas. Merde, j'ai coupé leur dialogue. Suis-je en envieux comme Dieu? Mais je comme veux Dieu. Qu'Héphaïstos me fabrique des chiens de garde. Pas un dieu envieux. C'est ce qu'il faut pas entendre. Non, ça c'est notre petite île qu'on a fait à 100%. Ça, on l'a fait. On juste les plantes, on fait que passer, merci. Je crois que le dernier épisode, on n'a pas combattu de monstres légendaires, de créatures et tout ça. On n'a rien trouvé. Bon, après, comme j'ai dit, on en a tué pas mal hein, déjà. Mais c'est vrai qu'on n'a rien, on n'a rien eu. Alors... Faut regarder la carte. On a la crypte ici. Si on peut remonter. Enfin, la crypte ici, on la fera quand on retournera au centre. On n'a qu'à faire ligne droite au lieu de quête. Oh putain, c'est en hauteur, fait chier. On n'a qu'à prendre un ascenseur. En ce moment, j'ai mis un peu en pause Final Fantasy XII. Zodiac Age, je m'étais remis dessus. J'ai beaucoup aimé. Jamais fini sur la chaîne, ce jeu. Je l'ai recommencé 3 fois, je crois. Ah, merde. Mon endurance. Ah ouais. C'était le let's play qui est devenu maudit de FF12 pour ceux qui n'ont pas suivi The Zodiac Age. Il y a très longtemps, il y a 5 ans, 6 ans je crois, un truc comme ça. J'avais récupéré la version japonaise, que le jeu à la base, Zodiac Age, cette version de FF12 en fait était sortie que au Japon, avec le système de job et tout ça. Et donc j'avais récupéré donc sur émulateur la version japonaise avec un patch anglais. Donc du coup j'avais commencé, j'avais fait pas mal d'épisodes dessus honnêtement, j'avais fait beaucoup d'épisodes. Mais je l'ai pas fini parce que sûrement d'autres trucs qui sont sortis entre temps, puis après voilà quoi. Pour les jeux longs, enfin vieux longs, enfin longs qui sont pas nouveaux, du coup des fois je zappe un peu parce que bon voilà quoi. Et après du coup la version remaster Zodiac Age qui est sortie, je l'ai faite, donc du coup ça fait la deuxième fois que je commençais le jeu. Enfin, je le recommençais du coup. Et j'avais commencé ça en vidéo, puis après j'avais... Okay, on est à l'endroit de...
où il y a plein de puzzles à faire. Après, j'ai dû le commencer sur un stream. Le continuer en stream, je pense. Mais ça devait être sur Twitch. Du coup, j'ai... Twitch sauvegarde pas les VOD si vous le faites pas vous-même. Et du coup, pas de vidéo de la suite. Donc c'est chiant. Donc après, j'avais gardé les sauveurs parce que je prends l'habitude de jamais faire qu'une seule sauvegarde. En fait, je sauvegarde sur plusieurs arènes de légende, sur plusieurs emplacements différents. Et du coup, donc, il y a quelques mois. Vu que j'avais du temps libre et que j'avais besoin de m'occuper l'esprit, j'ai recommencé du coup de la sauvegarde que j'avais fait au début. Donc c'était la troisième fois du coup que je vais recommencer. On va changer d'armure direct. Et après j'ai eu un problème du coup de disque dur. Donc toutes les vidéos que j'avais pas éditées, tout ça, j'ai tout perdu. Et j'avais fait au moins une vingtaine d'heures dessus, je crois. Tout perdu. Ah, c'est... cette année, c'était le catastrophe, quoi. Point de vue merde, c'est... Oh là là. Et du coup, là, j'ai vu que j'avais encore... Je faisais encore le même système de pas jamais sauvegarder sur la même sauvegarde. Du coup, recommencer encore une fois. Donc, ça fait, du coup, la quatrième fois que je recommence le jeu et que j'essaye de le finir. Fun, hein. Oh waouh, carrément! Merde, il m'a enlevé. Pute quoi. Oh les dégâts. Gogo suivant. Oh mon dieu, les dégâts. Tiens, ce que j'en fais, ton machin. Je crois qu'il y a les 4 en même temps. Oh, je tape à 1000. Ça va, je fais des... Je tapais à 1000, ça va. Genre avec l'épée. Ah, ça c'était cool, là. De m'avoir mis les héros, ça c'est cool. Fragment fondu. Nickel. On monte encore plus vite en combo, c'est abusé. Là, on a l'armure augmentée.
C'est plus 5 à chaque fois. Putain, c'est fou quoi. On a tout, ouais. Pas mal cette faille là, putain. De foudre en plus. Je vais peut-être me téléporter pour récupérer l'endurance en plus, parce que c'est vrai que c'est vachement utile. Énergie en plus. Donc ouais, Zodiac Age. Mais je vais le finir, hein, mais c'est juste que voilà quoi. Là je me suis mis à... Atalante, elle fait méga mal. Hein. Putain, c'est ouf. On va peut-être attendre. Parce qu'on est juste à côté du... De la zone de quête, on verra ça après. Atalante fait méga mal, elle m'a presque tué. Comment je monte moi? Merde. On peut pas se propulser, ce serait bien qu'on ait un moyen de se propulser en hauteur. Donc ouais, FF12 je vais le finir, mais là je me suis mis sur Phoenix du coup, donc petite pause sur FF12. Mais ouais, c'est un très bon jeu encore. Mais autant d'heures perdues, quoi. Oh la vache. Entre le disque dur qui meurt, enfin qui meurt, hein, tout simplement. Tellement d'heures perdues. J'ai failli tout perdre aussi de Westland 3. J'ai failli tout perdre de Riftbreaker. J'ai pu récupérer quasiment toutes les... Les vidéos que j'avais pas encore édité. Il y a Front Mission 3 aussi que j'avais commencé il y a 2 ans je crois. J'ai toujours pas fini hein, parce que c'est faut éditer tout ça et puis j'ai pas le passé long et moi et le moral ça fait 2 voire plus. Donc c'est compliqué. Ah voilà, ok. Et ça aussi, j'avais fait j'avais 2-3 heures de rush à éditer. Et ça aussi, je les ai perdus, mais j'avais la sauvegarde d'avant, donc je vais pouvoir le rejouer, le continuer. Donc le let's play n'est pas perdu, j'ai envie de dire. Oh! What the fuck? Celui-ci se vengea en la piégeant sur le trône qu'il avait fabriqué. Oh le rebondissement! D'accord. Oh le rebondissement! Donc il l'avait bloqué sur le trône, d'accord. Bon, non, on a fini de toute façon. C'est juste ça, d'accord. Intéressant. Phoenix fut surprise de découvrir un énorme trône qui avait jadis appartenu à Hera. Ce trône-là, celui où Héphaïstos l'a piégé, il a du culot de l'exposer comme ça. Attends, qu'est-ce qui se passera si la mortelle s'assoit dessus? Phoenix sera coincé et je gagnerai mon pari. Pour savoir, il faut attendre. Mais on est d'accord qu'il n'y a plus rien à faire, là. Ouais, non. Non, non, c'est bon. On a fini, ouais. Il n'y a plus de quête avec ça. On est d'accord. Je regarde. Ouais, non, c'est bon. On a fini, on a fini. Ah merde. Merde.
Venez les deux, parce que j'ai pas assez d'endurance pour deux coups. Merde. Ah mais... C'est tombé dans le caillou, gros. Première fois qu'on voit ça. Merde, bon bah faut attendre qu'il sorte. Il s'était caché, il a fait la tortue. C'était la nouvelle tortue romaine. Tu te mets dans un caillou cette fois. C'est très efficace. Bon alors. Voilà, moi c'est un peu plus simple hein, du coup. Ah. Du coup, moi c'est un peu plus simple hein, avec mes pouvoirs. Hein, là, évidemment. Alors. Elle à droite, lui à gauche. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on va pouvoir encore augmenter notre vie en plus. Menteur. Et Héphaïstos qui s'étonne que notre relation soit compliquée. N'oublie pas qu'Héra et toi aviez commencé par le bannir du mont Olympe. Et il n'a rien trouvé de mieux que de la coincer sur un trône. Oh, il a cru qu'il m'avait forcé à le marier à Aphrodite pour sauver Héra. Tu parles d'un amateur. Je vais voir. Non, toujours pas. Non. Ça doit être 10 alors. Ça doit être 10. Alors, on a fait ça. On rejoint le portail. Par contre, toi, tu m'as l'air... Ouais, toi, tu m'as l'air légendaire. Ophinikos, légendaire. Par contre, tu voles. On peut se mettre en dessous et faire les épées d'Arès, là. Tiens! Oh là là, comment je suis trop bon! Comment je l'ai défoncé, le machin! Oh là, on a réussi à faire un coup indemne avec les épées d'Arès et le défoncer, le machin. C'est ça, c'est les épées d'Arès. Hein. Courroux d'Arès, pareil. Oh la vache, comment t'as massacré, gros. Tiens, t'apprendras. Mouiou. Là, c'était assez violent, là, j'avoue. Phosphore carnivore. J'avoue que c'est... Ouais, non, je vais être honnête, c'était assez violent, là, par contre.
Là, les dégâts et tout ça. C'était violent. Explosion de clones de phosphore et étourdissement de 2627. 2627. Ok. Alors là, par contre, tu viens de peut-être devenir un peu mieux. Alors nous, on avait mis attaque. 150%, ça faisait dans les 600 ou 900, je crois, de dégâts. Enfin, ça dépend après de notre combo. Après, on avait... Donc 150% d'étourdissement. Mais là, là c'est par contre, c'est l'attaque en elle-même. 150% d'étourdissement, c'est en plus de, des attaques de phosphore. Donc c'est basé sur les attaques de phosphore. Les attaques de phosphore, elles font pas énormément d'étourdissement. Mais bon, ça nous a duré un moment. Là par contre, dans cette forme, phosphore est plus qu'affamé. Il est vorace, attention à vos chevilles. Par contre, on va peut-être changer de skin. J'aimais bien de les cendres ardentes, hein, parce qu'il a des flammes noires dessus. Faudra voir, tester. Tiens, il n'y a pas un truc qui traîne. Attends, il y a des plantes. Chier. Faut qu'on teste le nouveau phosphore. Quoique, après, je vais être honnête, hein, phosphore, on l'utilise de moins en moins. Hein, faut être honnête. On l'utilise de moins en moins parce que nos pouvoirs divins, en fait, on les active tellement vite et ils font tellement mal maintenant avec la nouvelle armure. Mais bon. Bon, par contre, là, on est toujours boosté à la potion d'attaque. Hein. Faut prendre ça en compte. C'est pas super. Et ah non, ça va, ça va. Ah. Je pense que c'est mieux que le 150% de dégâts. Je pense, hein, je suis pas complètement sûr. Enfin, le 150% d'étourdissement, faut voir. Merde, non! C'est ça que je voulais faire. En fait, non. Maintenant, vu que phosphore fait très mal, je crois que le pourcentage est mieux. Hein. Bah c'est bête. Ouais, non, phosphore fait est mieux. Phosphore est mieux avec les pourcentages maintenant. Peut-être avant c'était moins bien parce que c'est la base en fait de l'étourdissement était pas très élevée. Donc ça c'était mieux, ça aurait été mieux avant. Mais là les pourcentages en fait sont ouais non mais sont décuplés quoi. Non, c'est mieux ça. Bon, par contre, on n'a pas vraiment besoin. Du coup, on va retomber sur l'attaque. Mais bon, c'est bon à savoir. Quoi. Alors, nous, on a une quête ici. Ouh, portail. Ah, j'ai pas envie. J'aime pas ces défis. Les dangers environnementaux ont été ajoutés dans ces défis. Go.
Ah, on est limité en endurance et tout. Sans déconner. Ah. Mais on a froid. Oh, quand on a froid, on... On a notre endurance qui baisse. Ah, on est plus... C'est pas pareil là, par contre. J'ai pas fini. Si, j'ai fini. Merde. Ça va. Mais limité en potions et tout, quoi. Je sais pas ce que ça fait le nuage de poison, j'imagine que ça fait mal, hein, évidemment. Ah, juste avant, très bien. Très joli combat. Non mon dieu, elle remet rien quoi la potion. Merde, non, on recommence pas du début quand même. Elle remet que dalle la potion. Ok, faut attendre en fait. C'est bien ce système de froid là. Tu m'as mis ma super armure. Attends, on peut voir. Non, mais je peux pas voir l'équipement que j'ai en fait. Sans déconner. Sans déconner. La loose, quoi. Eh ben. Bon, menez à bien la crypte, quoi. Bon, et voilà. Mener à bien la crypte, c'est fait. C'est bien. On va pas faire essayer de faire mieux. Poison, froid et feu. Figue de l'Olympe. Figue. On a une figue. Ça fait quoi? Reconstitution de 20% d'un fragment de santé lors d'un coup fatal. Sérieux? Elle n'a rien d'une figue ordinaire de l'île d'or. Elle semble capable de reconstituer de la santé à la disparition d'un méchant. Peut-être y en a-t-il d'autres à découvrir sur l'île de Pyrite. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça soigne. Merde, je suis passé à côté d'un coffre. C'est pas mal, ça. Doucement. Trop bien.
Il est où le coffre? Je vais y arriver. Hein. Dans la paroi, peut-être? Pas de... Je vois pas d'accès par contre. Oula, ça me gavait. Où on était. Ah ah. Très bien. Monte, 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 monte. Pourquoi j'ai chargé l'attaque, je ne sais point. C'est bien, on va avoir l'endurance au max. Faudrait trouver une ambroisie encore, comme ça, quand on va augmenter nos stats, on montera notre vie aussi. Enfin, on va peut-être le faire à la fin de l'épisode, basta quoi. C'est pas très... On peut faire le jeu. On peut continuer sans la barre d'énergie supplémentaire, ça va quoi. Te faire des allers-retours, c'est relou quand même. Il y a tellement de trucs à faire dans le jeu. Autant éviter de perdre du temps. Ici. Ah merde. Quoi, des ennemis ça? Des alliés? C'est des alliés ça. Vas-y, il est où ton monstre? Je ne suis peut-être divin. De rien. Maintenant, vu qu'on a remarqué que le courroux d'Arès pouvait faire ça, genre monter assez haut en fait.
pour toucher les... C'est quoi ça là-bas? Ah, c'est des grenades. Pour toucher les griffons et tout, ça va quoi. Alors... Prenons de l'altitude pour comprendre le puzzle. Donc il y a trois trucs. Bon. C'est quoi la difficulté? Ah, c'était nouveau là ce qu'ils viennent de dire. Même je crois que la difficulté en fait c'est que... Si on peut pas attirer les grosses boîtes, c'est la merde. Je crois que c'est ça. Je vais voir un peu. Ah c'est bien, ça fait un tigre blanc. Le lion qui s'approche aussi en ce qui est sur le tartare, on l'entend souvent que trop tard. Oh joli, ça rime. Bon, bah go Lille. Go Lille, comment? Après, je me demande ce que c'est cette zone. Genre, est-ce qu'on va devoir aller là ou alors on pourra finir le jeu? Genre, est-ce que c'est une zone complètement secondaire? Ça, je me rappelle pas du tout. Quoi. Honnêtement, comme j'ai dit, hein, les streams de China, ils sont vieux. Et je crois ne pas avoir été là pour tous les streams. Donc, du coup, j'ai zappé. Enfin, je connais pas. Je connais pas beaucoup de choses. Je connais les choses les plus grosses, quoi. Enfin, le début, surtout. Je vais regarder le début du jeu. J'avais vu beaucoup du début du jeu. J'ai du mal à faire des phrases, là, maintenant. Je sais pas pourquoi. Et puis, Monsieur Shayna hein, avait aussi décidé de jouer hors stream. Hein. Donc, bon. Il a fait plein de trucs hors stream, le monsieur. Oh, de nouveaux chevaux. Phénix était éblouie par la majesté de l'île. Mais elle savait que le temple d'Hélios abritait quelque chose de spécial. Il nous faudrait des chevaux, genre une monture, qui permettent de récupérer plus de plantes. Ça serait pas mal, tiens, comme monture. Genre, même si la monture est très lente, genre, elle est que niveau 1. Mais genre, elle vous permet de récupérer, genre, des plantes en plus. Ça serait intéressant comme concept. C'est quoi, ça? Un cadran solaire? C'est ça, c'est un cadran solaire. Faut faire quoi? Allumer les chevaux? Lire les inscriptions. Oui, si on lisait les inscriptions. Elles sont tes inscriptions. D'accord, faut que je trouve un moyen de rentrer quoi. Faut peut-être que je ramène des chevaux.
J'aimerais quand même. Putain, si c'est ça. Parce que j'en ai vu deux allumés et il y en avait deux à côté, donc bon. Aïe là. Oh, ça va, il y en a plus que nécessaire. Non, reviens. On va faire un tour là-bas. Bien joué. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a ouvert? Ah oui, ça a ouvert. La roue oubliée au lieu de repos de l'Aurige et reçoit la bénédiction du soleil. Oh. Non, je vois ce que tu prépares. C'est à propos d'Hélios et de son fils, c'est ça? La lumière a l'air de s'intensifier. Comme si le dieu soleil lui-même approchait de la terre sur son char. Comme l'a fait son fils, ce jour-là. Non, Phoenix n'a pas pu dire ça. Et je refuse de porter le chapeau pour ce qui est arrivé à Phaéton. Et c'est alors que Zeus le tua. Bon, déjà, je tue des tas de gens, et tu remarqueras que leurs familles ne viennent pas se plaindre pour autant. Ensuite, comme je l'ai déjà dit, ce n'était pas ma faute. Qu'est-il vraiment arrivé à Phaéton, alors, hein? Oh merde. Un vrai problème de comportement, ce gamin. Tout le temps à porter des chitons trop larges, des journées à rester sur sa tablette et à chouiner comme quoi ses amis veulent pas le croire qu'il est un demi-dieu. Mais change d'amis, bonhomme. Eh non, il vient pleurer dans les sandales de papa pour qu'il lui refile les clés du char. Phaéton a ainsi emprunté le char et a fait le tour de la terre pour s'assurer que la nuit remplaçait le jour et ainsi de suite. J'ai demandé si je pouvais conduire, mais tu parles. Zeus, tu n'es pas assez fort pour tenir les chevaux, patati, patata. Tu es trop bourré. Hélios a dit ça. Et je me demande bien pourquoi. Oui, doucement quand même, hein. Donc ce petit crétin a slalomé entre les constellations, il s'est planté dans le scorpion, et il est redescendu si près de la Terre que... Eh ben disons que si ton héroïne, là, elle trouve qu'il fait jour, elle aurait cramé tout de suite. Ainsi donc, tu l'as foudroyé d'un éclair. J'ai fait ce qu'il fallait. Mon dieu, c'est quoi toutes ces histoires de dieu? Je me demande si c'est... Parce que je sais que dans les grandes lignes, hein, c'est ce qui est écrit dans les histoires avec Zeus et tout ça. C'est compliqué, hein, les histoires grecques, hein, c'est... Genre, c'est du drama, quoi. J'ai envie de dire. C'est du... Ouais, non, c'est du drama, quoi. Mais... Je me demande, après, toutes ces petites histoires-là, est-ce qu'elles sont vraies ou elles ont été rajoutées pour le jeu? Attends, d'abord, j'ai envie de faire un tour sur le temple, là. Voir ce qu'il y a dedans. Enfin, voir ce qu'il y a au-dessus, déjà. Ah, j'aime bien, ça fait le bruit du bois, parce qu'on est sur du bois, c'est bien ça. J'ai jamais fait vraiment attention. Je suis content d'avoir récupéré la figue là. Chaque fois qu'on va tuer un truc, on va récupérer 20% de vie, quoi, c'est énorme. Enfin, 20% d'un fragment, c'est super bien, quoi. Ah! C'est bien, ça. Nickel. Il y a des monstres.
Ah. Merde, putain, on était presque. Ah, ça marche bien. Hein. Non, c'est sympa ce petit régène là, vraiment très sympa. But. Faut faire attention quand même, faut que je regarde mieux parce que j'avoue que là le coffre je l'avais pas détecté du coup. Bon après c'est pas très grave mais bon bref, on doit aller là, nous on va se téléporter sur la statue et on va faire ligne droite. On va faire tout simplement ligne droite. Alors, il est où ton char? Il y a des grenades en bas, on n'a pas besoin. On a déjà, on doit en avoir 500 maintenant. Ah, le scorpion! Ok. Quoi, on cherche encore ces trous? Sérieusement? Le scorpion l'a arraché du char! C'est du sentimentalisme, là. Ça ne va pas le ramener ni consoler qui que ce soit. C'était sa faute. Et puis c'est tout. Si tu te sentais coupable, tout le monde comprendrait, tu sais. D'accord. En approchant de la statue du scorpion, Phoenix découvrit une faille cachée sous son regard sinistre. Le scorpion avait-il quelque raison d'en vouloir à Phaéton? C'est encore une de tes affaires de cœur. Je t'en prie, je sais me tenir. Mais bien sûr. C'est pour cela que tu t'es transformé en rayon de soleil, en taureau, en aigle, en déesse, en nuage. D'accord, ok. Ça va peut-être être un combat. Ça serait bien, une arène. C'est quoi une arène? Ah non. Oh merde. J'ai des... Oh, la roue. C'est des puzzles. Ah, la roue, ça va peut-être être une... Bah du coup, ouais, ça parle d'une bénédiction du soleil, là. Peut-être que la roue, ça va nous donner quelque chose, aussi. Attends, ça disait quoi? Un coffre. Ouais, un coffre et une roue. Bah, faut le mettre dedans. Ouais, concours de lancer quoi. La pétanque, tu tires ou tu pointes?
Je pointe. Non, mais c'est pour le faire réapparaître, il apparaît déjà. Comme ah, ils vont me donner des boîtes en carton peut-être. Non. Bah s'ils me donnent des boîtes en carton, je peux pas les lancer de toute façon, donc ce serait débile. Que je vois des pics en fait. Rien là. Ça passe. Yes, trop fort. Oh, trop fort. Il était où le coffre? Il est là. Ok, le coffre apparemment il est à l'intérieur. Là, rien. Merde! Je suis parti trop tard. Trop tôt, pardon. Très difficile celui-là. Apparemment si. What? Ça avait pas l'air d'avoir fonctionné. Apparemment si, non si c'est allumé. C'est bizarre là. C'est pas activé ça. Je me demande s'il faut pas l'activer pour pouvoir monter. Ah, on va voir. Enfin, peut-être pas monter, mais pour aller récupérer le coffre. Ça, c'est pas très très difficile. Pas trop pigé là.
Non, non, je dis des conneries, ça a dû marcher. Par contre, faut que je trouve le coffre. Ah, il est là. Il y a bien un truc à ouvrir, à faire. Je sais pas, j'ai l'impression que celui-là, il va être relou, non? Là, il y a un trou, là. Là, il y a un trou. Est-ce qu'il y en a un qui est encore allumé? Non. Oh merde, du coup, je fais comment? Est-ce que... Faudrait pas que je refasse le puzzle, moi, à la crypte. Parce que là, il y a un... Ah, ben non, mais je peux aller dedans. Chercher cette trou n'est pas seulement sentimental. Ah, merde. C'est débile. Parce que tu ne fais jamais rien de débile, toi. Voilà, nickel. On va voir ce que la roue fait. Je ne toucherai pas ces trous. Tu vas attraper une cochonnerie. Elle est toute sale. Je vais demander l'aide de Zeus. Son pouvoir peut tout purifier. Une seconde. Qu'est-ce qu'elle a dit là? Je vais voir un peu ce que ça dit. Attends, il y a le cheval. Alors, roue de char altérée. Cette roue serait tombée du char ardent d'Hélios lorsque Phaéton a tenté de le conduire à travers le cosmos. Elle a ensuite été altérée par Typhon. Comment on va demander l'aide de Zeus? C'est un peu con, parce que Zeus... Zeus, il est occupé à écouter l'histoire, là. Comment on va faire? Phénix savait que seul le pouvoir de Zeus pouvait purifier la roue de sa corruption. Il n'avait pas chopé une migraine pareille depuis la naissance d'Athéna. Oh mon dieu, où tu m'emmènes? Oh mon dieu... On peut aller là. On va voir. Ah, la roue de Zeus, la roue de machin. Je dirais que... Allez, moi je dis... Parce qu'on a de la vie déjà. Genre quand on tue les ennemis. Je dirais de l'énergie quand on tue les ennemis, non? Genre la figue, en plus ça se mange, vie, santé... Puis la roue, ça roule, endurance, je sais pas. Comme ça que je le vois. Par contre, on va juste passer. Je fais que passer, laissez-moi.
Tu veux que j'aille où, en face? Ouais. Ah, voilà. Pensez à ça aussi. À la statue. De Zeus, Phénix aperçut les monstres qui en avaient fait leur foyer. Comment ils sont entrés? Quelqu'un a laissé la porte ouverte? Le coupable va se retrouver transformé en insecte, hein? Et piétiné. Debout devant la statue de Zeus, Phénix avait presque peur de déposer la roue sur l'autel. Enfin un peu de bon sens. Ça peut aider personne. C'est morbide en plus. Hélios s'accroche au passé. Allez, c'est parti. Phénix posa doucement la roue corrompue sur l'autel et recula. Pourquoi tu me regardes? C'est ton autel. Je n'étais pas sur place à ce moment. Tant pis pour Phénix. Soudain, les cieux s'ouvrirent et la roue fut purifiée par un éclair de lumière. Laisse-moi deviner, Hélios. Voici une belle roue de char, bien brillante. Si je ne t'avais pas déjà enchaîné à ce rocher, en ce moment, je serais en train de te saucissonner, mon petit bonhomme. Cool. Phénix ignorait où se trouvait le lieu où reposait Phaéton. Et c'est alors qu'elle se rappela qu'elle aurait dû être en train de mener une autre quête. Alors, elle lâcha la roue et se remit au travail. Je vais regarder les étoiles. Les constellations m'indiqueront le chemin. Hein? Quoi? Mais c'est à cause des constellations qu'on en est arrivé là. Et celle du scorpion, surtout. Du coup, cette roue tombée du char solaire d'Hélios a été altérée par Typhon, mais a depuis été purifiée par la foudre. Bon, d'accord. Pour l'instant, j'ai faux. Alors, peut-être qu'on va vraiment avoir, du coup... Oh, putain, il y a un truc là. Ah, j'ai envie de finir ça, moi. On va peut-être avoir une bénédiction du soleil. Ça parlait de bénédiction de soleil. Attends, c'est où exactement? C'est tout. Ah non, c'est là. Voyons voir. Cool, en plus on l'a fait ça. C'était quoi ça? Phénix savait que Phaéton devait reposer à l'intérieur. Moi aussi, j'irais bien me reposer. Ça va durer encore longtemps, ce bastringue. C'est Phaéton qui a chouiné pour conduire le char. Mais pourquoi on revient toujours sur cette vieille histoire? Évidemment que ce serait celle-là. Le cocher. La constellation du cocher fut créée par Hélios lui-même. Il tenait à ce que l'on se souvienne de son fils. C'est là qu'il est tombé. Ses sœurs. Phénix connaissait ce récit, comme beaucoup d'autres. Ces arbres étaient les sœurs de Phaéton. Elles étaient restées à l'endroit où leur frère s'était écrasé, jusqu'à ce qu'Hélios les transforme en arbres, afin qu'elles puissent à jamais veiller sur lui. C'est ce que je me tue à te dire, je te signale. À force de ruminer le passé, voilà où on se retrouve. Elles aussi, elles ont gâché leur vie. Ce qu'il faut, c'est aller de l'avant. Tu étais jeune. C'est pas faux. Tu voulais être reconnu, prouver quelque chose. Mais aujourd'hui, il ne reste aucune trace de ton existence. Quelle tristesse. Mais Phénix avait tort.
car on se souvient de Phaéton. Et ce n'est pas rien. Je n'ai jamais dit qu'il fallait oublier ce garçon. Peut-être existe-t-il un juste milieu entre vivre dans le passé et le rayer de sa vie. Peut-être faut-il parfois prendre le temps de se souvenir. Phaéton, pardonne-moi. Ah. Qu'est-ce qui se passe avec mes ailes ? Elle ardente. Ah oui, bah oui, je suis con moi. C'est ça, c'était ça la récompense. Un peu con moi. Enflammez le héros ou l'héroïne qui sommeille en vous et ouvrez-vous un chemin de feu vers la gloire. Donc nous, on a alors, les ailes d'Icar et là, on a les ailes ardentes. Ouais, bof. Ouais. J'ai le droit de dire que je suis déçu ou pas ? Hein ? J'ai le droit de dire ça ? Je me suis dit, regarde, on va pouvoir vraiment voler, ça serait bien. Non mais je crois pas que ça existe, sinon ça casserait le jeu, je pense. Du coup on pourrait voler, on pourrait aller dans n'importe quel endroit et tout, non, ça casserait tout le jeu. Mais ouais, non, j'aurais bien voulu un truc sympa, quoi. Ok, juste en dessous. Puzzle. Quoi ce bruit ? Cristallin. Il est chelou ce cheval. Alors... On peut pas casser ça, la flèche. On peut pas casser ça, la flèche. C'est quoi ce bruit de cheval, là, putain ? Allumer maintenant. Je pense qu'on est assez bon. On est bon. Ah non, mais attends. Pas besoin d'allumer. Ah, encore là. Attends. Ça, c'était pas voulu, je pense. Ah.
l'épée de l'Olympe. What? C'est quoi ça? Cette étrange clé est restée trop longtemps perdue. Clé de l'Olympe, le mont Olympe, c'est, pas, c'est purement ça. Par contre, je voudrais aller voir là. Merde, je peux pas. Faut que je sorte. Et Astier, tu veux pas me faire un petit résumé sur la clé de l'Olympe, à quoi elle sert, non? Non, ok, ça. Ça marche. J'imagine que c'est un lieu qu'on n'a pas vu encore. Bon alors. Pose de combat d'Achille. Méga grand de ouf quoi. Alors. Donc il faut faire venir la boule. Mais la dernière fois, on n'avait trouvé aucun moyen de la faire venir en fait. On n'avait trouvé aucun moyen. Non mais là je suis attardé ou comment ça se passe? Là c'est le seul truc que je comprends pas là. Pour moi il nous manque un pouvoir, hein. Je veux pas dire mais il nous manque un pouvoir genre je sais pas, genre faire valdinguer la boule quelque part. Parce que là il n'y a pas d'autres boutons, il n'y a rien à activer. On avait vu que c'était un peu chaud de... Ouais. Après, est-ce que je peux gruger le truc Pourquoi pas quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose de caché quelque part? Je suis allé trop loin en fait. On peut se taper ou pas? Non, on passe au travers. Euh...
Non, là, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas. Hein. Ça, on peut pas les porter sur les épaules. Il nous faudrait un... du vent. Après, je peux pas vraiment prendre de l'élan parce que ça va pas marcher. Il n'y a pas assez d'élan. Ce qui est bizarre, c'est qu'elles disent pas qu'il nous manque quelque chose en fait. Et même si je la fais passer là, je fais quoi après? Genre là, de toute façon, je serais bloqué là. Alors, est-ce qu'il faut pas la faire tomber quelque part du coup? Mais il y a rien en bas. Rien du tout. On va essayer de forcer le machin, mais puis là il y a la porte là, je sais pas quoi. Enfin, du coup je peux rien faire. Non mais il y a un problème avec la boule. Hein. Je peux pas rien faire avec la boule. Merde. J'ai fait de la mauvaise pause. Ça m'apprendra. Je fais de la merde en plus. J'ai utilisé une potion d'attaque. Comme un gros débile, quoi. Le truc qui serait bien de pouvoir monter sur ces piliers là, mais je peux pas m'accrocher. Enfin, je peux pas atterrir plutôt. Ta mère, c'est bien fait exprès. Donc si on essaie de gruger le truc, je vois que depuis la porte. Ah, ça me fait chier d'avoir utilisé une potion d'attaque pour rien là. Bon, c'est pas grave, on a plein de plantes, c'est pas grave. Même cette porte, qu'est-ce qu'on fait? Faudrait la porter en fait. Ouais, mais du coup ça s'est pas activé quoi. En fait faut tout gruger si on gruge le premier truc quoi. Donc je sais pas si c'est possible. J'ai combien de... En 80, ça. Je pensais que j'étais en dessous des 100, ça va. Il y a ça, il y a ce symbole de deuil là, partout. Il y a un truc à faire. Mais je vais pas... Putain, mais là ça fait haut par contre. Attends, peut-être que là-dessus... Ça fait pas super. C'est, je sais pas. Là non. Ah, ça va être Grugeland le truc là. On va gruger tout le truc. Attends, il me faut de l'endurance. Oh,
Oh la vache, les dégâts, quoi. Même en utilisant une potion, ça fait des combos. J'avais pas fait attention. C'est une de nos bénédictions, je crois, qui fait ça. Ah ben oui, mais j'ai plus d'endurance pour sauter, en fait. Putain, il nous faudrait la barre en plus, quoi. Voilà. Alors. Ça fait pas très très haut en fait. Non. Non, ça sert à rien. Je pensais que ça nous donnerait un petit avantage, mais en fait non, c'est pas assez haut. Donc je crois que là, on peut se mettre là. Non, c'est mort. Non, mais non, 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 non. On va pas. Non. Cela, je vais balancer trop de potions pour rien. Il manque un truc. Ou c'est une mécanique que j'ai pas compris. Mais il manque quelque chose. C'est bien. On a dépensé des potions pour rien. Oh putain, merde quoi. Ah oui, c'était ça en plus. C'est que ce système là où on se met là. Il n'y a pas de touche pour balancer. Genre ce qu'on porte comme ça. Il n'y a pas de touche. Non. Non. Oh, je l'ai trouvé. C'est au marteau. Allez. C'est au marteau. Ok, bon, on l'a trouvé. Putain, je crois qu'ils l'ont dit nulle part, ça. Je suis quasiment sûr qu'on a jamais vu ça. Hein. On n'a jamais vu une aide comme quoi. Normalement, il y a les touches qui apparaissent aussi, mais là. Non, là, on l'a jamais vu. Ouais, mais du coup, est-ce que ça a passé? Ouais, ça passe. Ah, ouais, c'est ça qu'il faut faire alors. Donc on a le système. Alors du coup, je fais comment là? Oh là là, la sérieux. Donc il n'y a que le marteau qui peut faire des choses comme ça. D'accord, ça marche. Pas mal. Ça, j'aurais pu le dire. On a découvert des choses un peu par nous-mêmes, mais ces choses qu'on a découvert par nous-mêmes, c'était ça a jamais vraiment aidé pour les puzzles. Mais il pourrait le dire, genre entre parenthèses, peut aussi aider à déplacer des blocs, parce que les autres, ça influence pas en fait les blocs. Enfin bref, enfin si, ça peut les casser à la limite.
merde. Ah, d'accord. Allez. C'est marrant. C'est marrant une fois qu'on a trouvé la solution. Ça passe. Nickel. Oh là là. Un peu relou quand même de jouer avec des boules comme ça aussi en même temps. J'imagine que faut se mettre là, c'est mieux, il y a le carré. Merde. Ah, on est peut-être bon. Je suis pas sûr en fait. Merde. Tombé, je crois. Ouais. Ça va nous gaver. Non. Tant plus j'ai utilisé une potion quoi. Dis-moi que la boule elle a pas été apparue. Ouais, je crois qu'on est bon avec la boule. Nickel. Mais dis-moi, c'est de plus en plus fun. Tronc ta maman. Nique ta maman. Ah, oh, d'accord, ok. Merde, je fais de la merde, c'est pas grave. D'accord, faut aller sur les côtés.
Non. Oh les putes quoi. Faut à chaque fois recommencer. Non mais sérieux quoi. Quoi ce bruit? Go, 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 go. Ah, on est bon. J'ai envie de me soigner, genre dans le risque de tomber et mourir. Comme ça, ça évite qu'on meure, parce que sinon on recommence, je crois. Ah non, c'est 3. Ça passe. C'est 3 barres, donc ça, je crois qu'on est bon. Ça va aller jusqu'au fond ou faut que je vienne? Alors je vienne. Ah! Ah mais ça brûle du coup. Non! Nique ta mère. Non, je peux peut-être juste la tirer en fait. Non, 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 non. Non, il faut quand même que je la tape. Oh, non! Merde, c'est dangereux cette merde. Hein. Bien joué. Merde, 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 merde. Crépusculaire. Ah bah c'était de la merde cet endroit. C'était bien de la merde. C'est fait. Bon bah du coup on va s'arrêter là. On continuera l'histoire principale la prochaine fois je pense. Ah oh, j'aurais bien voulu une ambroisie. Je crois que j'en ai pas assez pour un de la vie. Oh. Oh, c'est pas grave. Ugh!
vieille. Utiliser. Non, c'est bon. Ça sert plus à rien les foudres. C'est pour ça que je voulais pas en acheter avec les points là. Je savais bien qu'on allait arriver à... au max. Sans en avoir besoin. Mais ouais, c'est un peu bête pour la santé. C'est pas grave. Ça, est-ce qu'on en a fini? Oui. Ça aussi. Ah bah tiens, Ambroisie. Oh! C'est des nouvelles couleurs. Pour bah, notre armure, je crois. Notre armure de demi-dieu, là. Je vois un peu ça. Celle-là, je crois bien. Alors, il faut voir la hache. Ouais, on peut prendre ça. Mythique hache de gardien. Tenir en main cette hache, une expérience céleste. Comme si on était touché par les dieux en personne. Ouais, allez. Pourquoi pas. Du coup, on peut monter notre vie. Yes. Oh, plus 2 en plus. D'accord. Quelle potion. Ouais, ça va, ça va, ça va. Donc on recommence. C'est vrai que vu qu'on est devenu quand même un peu plus puissant là depuis dernièrement, depuis les derniers épisodes, on tue les choses très vite, hein. On massacre les choses très très vite, du coup on utilise quasiment plus de potions, enfin peu de potions. Oui. Alors, du coup, je crois que nous on est plus intéressé par finir ça, voilà, plus 6 honnêtement. La jauge de combat, on a vu que maintenant c'était quand même extrêmement puissant, et puis ouais, 100% de vitesse quoi, alors que là on gagne pas trop. Là, on gagne quoi, 2% de dégâts en plus et 10% à l'étourdissement. Ouais, c'est pas... ça va. Là, on a switché un peu vu, le... vu l'équipement. Donc, on fait ça. Et on peut augmenter les flèches aussi. On est à combien pour récupérer les trucs? Ouais, 30%, ça va. Ah oui, mais c'est, oui, mais c'est notre armure qui fait ça. Bon, on fait les potions, j'ai oublié. À un moment, j'ai dit, ah tiens, ça donne des combos. Je pensais que c'était une bénédiction, mais non, c'est notre armure. On a 28 points. Ouais, ça, attirer les petits ennemis, ça m'intéresse pas vraiment. Je préfère... sur eux. Mais je crois qu'on est à la fin de toute façon. Donc on a le ralentissement. Bah là on a tout. 34 sur 34. Bah du coup on va finir ça aussi. Hop là. Voilà. C'est bien qu'ils nous donnent plus que nécessaire en fait. Comme ça, si on fait comme moi, bah, on arrive à tout débloquer très vite, en fait, comparé aux autres. Comparé à avancer normalement. Bon, bah voilà, ça c'est bien. 150 pièces. Bon, bah voilà. Je crois que c'était une très très belle avancée. Et pourquoi j'ai encore... Pourquoi ça me dit que je peux encore faire des choses? Ah, le magasin d'Héraclès. Je crois que c'est ça en fait.
Je vois que ça en fait. Attends, les dieux, ils ont rien à me dire sur les clés de l'Olympe. Bon travail, Phénix. Tout semble se dérouler conformément au plan. Ok. Qu'est-ce que fabrique Hermès ici toute la journée ? Et Hermès. J'ai dit Héraclès ? C'est Hermès. Alors. La prochaine fois, on va faire ça. Donc, on a encore des failles à faire. Ouais, on a encore des coffres et des petits trucs à faire. Ouais, quand même. Bah, la prochaine fois, on finira, je pense, la zone. À moins que ça prenne trop de temps, mais non, un épisode, ça devrait suffire. Par contre, ouais, on a une arme, là. Donc, peut-être qu'on va aller au centre, vers l'histoire, d'abord. Parce que je voudrais bien voir si on peut récupérer une nouvelle arme, quoi, un truc mieux. Après, je vois pas trop ce qu'on pourrait avoir, hein. Encore une fois. Les dégâts, 60% de dégâts quand on fait une parade, je vois pas ce qui pourrait être mieux. Après, qu'est-ce qu'on a ? Quarante de dégâts avec combo à la hache, score santé est complète, constitution, 150 de frappe de santé lorsqu'une tord d'une parade parfaite, le coup fracassant contre les ennemis étourdis. Ah oui, ouais, peut-être. Enfin, les dégâts en fait augmentés, on n'aurait pas ça quoi. Ça, c'est pas mal, en fait. Ça serait une hache qui nous permet de monter, en fait, les combos super élevés. Plus 7, c'est énorme, quand même, juste pour une seule parade. Tu rajoutes ça, plus le fait que on récupère des combos en faisant des attaques divines. Ça, là, elle m'intéresserait. Bon, après, voilà, quoi. Je transforme des dégâts avec un achèvement tournoyant à plus 30 sur un jeu de combos. Bof. C'est ça, c'est le premier, en fait, qui est pas intéressant. Faudrait pouvoir mixer des haches, en fait. Faudrait vraiment pouvoir mixer les haches, ça serait marrant. Il y a même cela, hein, cela. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant, en fait. Création de 4. Ah oui, maintenant on a l'attaque sprintée. Maintenant on a l'attaque sprintée. À la limite, ça peut être bien. Oui, on peut utiliser ça là à la place. Attendez. Attends, remettre la. Voilà. Là. Hop. Là, le skin. Là, on met le skin de l'empereur noir. Et là. Donc, ombre du défunt. Fais voir un peu si on a. Non, on n'a pas de. On n'a pas de skin. Donc là, bon, on a l'esquive. Donc 45% si on fait une esquive parfaite. Bon, ça, oui, c'est bien quand même. Après, c'est la création de 4 orbes avec l'attaque sprintée. À la limite, l'attaque sprintée, c'est bien parce qu'on peut la faire quand on veut, quoi. C'est ça le truc. On n'a pas besoin de timer, on n'a pas besoin de parer, on n'a pas besoin de faire ça, quoi. Donc pourquoi pas. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Boum boum.